Nous ouvrons la page politique de ce journal avec le RPG qui s'active pour le prochain congrès de leur parti. Un conseil exécutif du parti s'est tenu au siège où plusieurs questions ont été élaborées. Jean-Augustin Ndiengui, Tanguy Tsaka pour les détails. C'est un conseil exécutif habituel tenu par la haute hiérarchie du Rassemblement pour le Gabon. Dirigé par le président de cette formation politique, Paul Mbappé Sol, les échanges dès l'entame ont porté sur certains aspects liés au vécu quotidien des populations. Le Conseil a été informé d'un certain nombre de dossiers, tant au plan national qu'international, notamment les problématiques de l'eau potable dans la commune de Libreville, la sécurité routière et la rentrée scolaire qui stresse tant de familles gabonaises. Le Conseil déplore l'attentisme des pouvoirs publics sur ces sujets. Mais le point qui a le plus focalisé les débats est celui relatif à l'organisation du prochain congrès. Le Conseil a dans un premier temps suivi la lecture des projets de décision portant organisation du congrès national, à savoir décision portant organisation de l'élection du nouveau président du parti, décision portant création de la commission électorale spéciale chargée d'organiser l'élection du nouveau président du parti, décision portant nomination des membres de la commission électorale spéciale chargée d'organiser l'élection du nouveau président du parti. Le congrès du RPG, qui devrait voir le président Paul Mbappé Sol passer la main à un nouveau président, est prévu le 28 octobre prochain.